petit frère Riley pour avoir eu son brevet de pilote. Merde, où il est, ce petit enfoiré? À la black card de mon paternel et à ma black card. Oh putain, j'ai pas pris de sambuca depuis que j'ai 20 ans, tu crois? Il est tombé dans les pommes, ce con. C'est la porte. Oh, Jason, aide-toi, entre. Tu es dingue, t'es. Et il a très bon prof. Ouais. Vous pensez faire des trucs déments, hein? Vous sautez d'un avion. C'est vrai que c'est dingue. Cool le téléphone. J'adore ce téléphone. Alors, c'est qui nos clients? Grant et Jason. De Californie. Hein? Bah, j'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup parce que deux petits blancs comme vous, ça sent le fric. Et c'est bien, moi j'adore le pognon. Pardon, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain? C'est ça? Ferme ta gueule! Ok? C'est moi qui ai les couilles ici! Regarde-moi, putain! Me lâche pas du regard! Hey! Connard! Regarde-moi dans les yeux! T'es ma chose! C'est moi le roi ici! Et toi, tu la fermes ou tu crèves! Qu'est-ce qu'il y a, Jason? Hein? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles plus comme là-haut tout à l'heure? Pourquoi vous rigolez plus? Vous ne trouvez pas assez drôle? Moi, je sais. Je sais ce qu'il y a. Dans le ciel, vous étiez sûr de gérer. Loin, en plein dans les airs, vous étiez sûr de tenir votre vie au bout de vos doigts. Mais Elmano, maintenant, vous êtes ici. L'atterrissage est rude. Ça va aller, on va se calmer, ça va, parce que toi, moi, et ton frérot la brute, on va bien s'éclater en attendant que le fric arrive. Arrête d'effrayer les otages, va plutôt t'occuper des rebuts. J'espère quand même que vous serez un peu plus marrant que vos amis. Allez, à plus. Vous manquez déjà, je vous jure. Bonjour à tous, c'est Mister Calof, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve sur Far Cry 3. Donc c'est un tout nouveau jeu que je vous présente sur ma chaîne. Donc c'est en face live commentary comme vous pouvez le voir. Donc on va terminer la cinématique et je vais vous expliquer un peu le jeu. Et puis je vais vous expliquer quelque chose à vous dire. Comment? J'ai peut-être une idée. Appelle le garde à quoi? Appelle le garde. Vas-y. Hé, par ici. Hein? Hé, vous allez les fermer, vos gueules. Merde. Merde, il est mort. Voilà ce qu'on vous apprend à l'armée. Donc voilà, la cinématique est terminée. Donc bienvenue aujourd'hui sur Far Cry 3. C'est donc un jeu action-aventure. Donc je vais vous montrer vite fait la boîte du jeu. Donc c'est celui-là, hein, c'est Far Cry 3. On y va. Ouais, il a une note de 18 sur 20 en jeu aventure, mais je pense que vous devez connaître. J'ai voulu faire ce jeu parce que je viens juste de l'acheter et donc le premier niveau je le connais, je vais pas vous cacher, c'est la troisième prise que je prends avec mon ordi, ma cam et mon portable. Et à chaque fois j'ai un problème, soit c'est mon portable ou l'enregistrement s'est arrêté, ou alors c'est l'ordinateur ou l'image bug, enfin à chaque fois c'est la même chose. Donc j'espère cette fois-ci que ça va être bon.
Ouais, donc du coup j'avais pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, ça va être une vidéo assez longue, elle va durer 25 minutes. Pourquoi va durer 25 minutes, ça va être une vidéo longue? Tout simplement parce que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo. La principale raison, c'est la seule raison, c'est que bah, je pars en vacances, c'est des vacances scolaires et que j'avais prévu des vacances et donc du coup on part en vacances à l'étranger, donc du coup il n'y aura pas de vacances, il n'y aura pas une vidéo la semaine prochaine. Et comme la deuxième semaine je serai en vacances, donc ici chez moi je serai revenu de là où je pars, et ben je vous ferai deux vidéos dans la semaine pour rattraper celles que je vous ferai pas la semaine prochaine. Donc pour ceux qui sont intéressés, je pars donc en Martinique. Au rapport. Je veux pas non plus dire tout ce que j'ai. Je veux pas non plus dire la totalité. Faut pas t'arrêter. Donc, sur la présentation du jeu, je vais vous expliquer un peu la cinématique. Du début du jeu. Arrête. Donc on est un groupe d'amis qui sommes allés sur une île paradisiaque comme vous voyez, sauf qu'en arrivant sur cette île, et ben au lieu de faire la fête, et ben on s'est fait capturer par un certain Vaz que vous avez vu dans la cinématique avant, là c'est le gars avec la crête, et donc il nous a piégé sur cette île et le but ça va être de s'en aller avant qu'il nous tue quoi. Mais bon, ça va être c'est plus facile à dire qu'à faire comme on dit. Donc voilà quoi, donc c'est juste un sort de résumé que j'ai voulu vous faire rapidement hein. Donc vous avez vu dans la cinématique qu'on était 7 à 3, et là vous voyez qu'on est que 2, donc mes collègues ils doivent être éparpillés un peu partout sur l'île. Je connais que le premier niveau, hein, parce que comme c'est la troisième prise que je prends, et ben, je connais un peu tout ce qu'il faut faire dans le premier niveau. Hein. Vous allez voir que dans le premier niveau c'est pas top, hein. Il n'y a pas beaucoup d'action et tout, c'est pas top je trouve. Mais bon, je vous mets quand même cette vidéo pour que vous compreniez un peu le jeu quand même. Parce que ce que j'aimerais bien quand même, c'est continuer l'aventure avec vous en fait de ce jeu. Donc après, si ça vous plaît pas, vous me le dites et j'arrêterai. Tant pis, j'aurais fait qu'un épisode, mais bon, au moins j'aurais essayé. Si ça vous plaît, je continuerai, je ferai un deuxième épisode où je continuerai le mode campagne. Mais franchement, c'est bête de dire non, parce que franchement, je peux vous assurer que ceux qui n'ont pas joué à ce jeu, franchement, c'est le meilleur moyen. C'est franchement, le jeu est exceptionnel et super comme jeu. Bon, après, vous allez me dire, ouais, c'est normal, tu trouves super, tu l'as acheté, c'est pas pour rien. Oui, c'est vrai, mais je peux vous dire que si je l'ai acheté, c'est pas pour rien non plus, hein, c'est qu'il est vraiment bien. Pour ceux qui aiment bien les jeux d'aventure, action, les genres Uncharted et Tomb Raider, il est à prendre celui-là. Hein. Comme vous voyez ici, ils ont la production avec les dessins, ils sont tranquilles pour l'année comme ça. Ouais, bah, de toute façon, du coup, ouais, je connais un peu ce qu'il faut faire, donc désolé, c'est pas trop. Ça va être une vidéo découverte pour vous, mais pour moi, au départ, ça devait être une vidéo découverte, pour moi aussi. Parce que la première prise, normalement, ça aurait dû être la première. Enfin, je venais juste d'ouvrir le jeu quand j'ai fait ma première prise. Et puis, bah, ça a bugué, donc du coup, bah, je suis un peu à ma troisième prise, parce que les deux premières ont bugué, donc du coup, bah, c'est plus trop. Le premier niveau n'est plus trop une découverte, on va dire. Je connais un peu ce qu'il faut faire. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit une vidéo de qualité et qu'il vous ait mis la clé, c'est plutôt ça. Je vous ai rien fait, moi. Donc, peut-être qu'on va avancer sur le plan. Donc on se retrouve après la cinématique. J'ai dû sauter comme ça, sans savoir. J'avais promis à papa de veiller sur Riley et toi. Tu vois où est Riley sur la carte? On va le retrouver. Après, on va libérer les autres. Et ensuite, on pourra rentrer. Quoi? Non! Reste en vie, Grant! Je sais pas ça! Tiens le coup, Grant, allez! Non, mais tu t'es pas quitté avec ta... Oh mon dieu! Non! Grant! Putain, je sens le cœur qui bat du mec dans ma manette, quoi. Je vais te mettre 30 secondes! Manette à 30. Et si c'est Jung, mais t'avais pas tout cru? Je le fais. Allez, faites la merde dans les oreilles! Je dis de foutre le camp, saloperie de l'opette! Tour, Forest! Tour! Bah je me casse, ouais. Vas-y. Donc là il faut s'échapper de l'île, hein.
Donc je sais pas pourquoi il a tué mon frère et pas moi. Parce qu'il faut savoir que le gars qui vient de tuer, c'était mon grand-père. Et je sais pas pourquoi moi il m'a pas tué. Enfin, en même temps, c'est un peu... Enfin, je suis un peu le héros principal. Alors s'il me tue, le jeu va pas faire beaucoup qu'un niveau. Donc là, je vais m'enfuir. Je vais essayer de semer les ennemis. Et du coup, bah, en fait, sur cette île, maintenant, bah, ils vont être toujours à ma recherche, en fait. Ils vont être à ma recherche pour me tuer, en gros. Et donc, du coup, ça va être plus dur de se barrer de cette île, parce qu'ils vont être toujours à mes trousses. Enfin, toujours à mes trousses, il va falloir que je me cache sur l'île et tout. Parce que vous allez voir qu'avec ils vont circuler avec des voitures sur l'île et ils vont essayer de me chercher. Parce qu'il faut savoir que Far Cry, on joue pas que avec l'homme, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des véhicules qu'on peut prendre, pour prendre des jet skis, des bateaux, des voitures, des camions, etc. Quoi. Mais franchement, c'est vraiment un jeu qui est super. Et vous allez voir aussi que, parce que je connais un peu, hein, un peu me renseigner avant d'acheter le jeu, vous allez voir que franchement, mais l'île elle est immense. Impressionnant la taille de l'île, quoi. Et puis il n'y a pas que une île, hein, parce qu'au bout d'un moment dans le jeu, on va arriver sur une deuxième île. Mais bon, je vais pas vous dire trop, parce qu'à la fin, en fin de compte, le premier niveau, j'aurai tout dit sur le jeu, mais en fin de compte, il n'y aura rien d'intéressant. Mais bon, après moi je connais pas tout sur le jeu, hein. Je connais juste des trucs basiques, juste de quoi me donner envie d'acheter le jeu, ouais. On va essayer de tuer ce gars avant qu'il me tue. Tac. Je crois que mon personnage sait plus trop ce qu'il fait vu comment il tremble des mains. Hein. Allez, on continue. Ah maintenant ils sont avec leurs hélicoptères, mais ils mieux. Je sens pas ce penchant qui va m'écrouler sur la gueule. De toute façon, je sais qu'il va s'écrouler parce que j'ai fait le premier niveau. Voilà. Donc au moins vous êtes fixé. De toute façon, même en faisant la première prise, je savais que ce pont il n'allait pas tenir. Parce que souvent ces ponts-là, quand ils sont suspendus dans le vide comme ça, ils tiennent pas le feu. Donc maintenant, présentation du jeu. Donc c'est créé et développé par Ubisoft. Far Cry 3, épisode 1. Bon, j'espère dans les commentaires du coup vous allez me répondre pour vous me disiez dans les commentaires si vraiment ça vous a plu. Si le premier niveau vous a plu, bah pendant les vacances je ferai un autre épisode et puis il y aura. Ce sera un épisode tous les deux semaines parce que bah je vais pas non plus vous mettre que du Far Cry, parce qu'à la fin vous en aurez marre, donc du coup bah ça sera. Peut-être pendant les vacances, je vais faire un max de vidéos tous les jours, j'essaierai de faire une vidéo comme ça après. Enfin, je sais pas, mais j'aurai plus de temps libre pour faire d'autres vidéos et tout. Du coup, peut-être qu'il y a des semaines où j'arriverai à vous mettre deux vidéos par semaine, tout. Parce que là, franchement, je suis short. Hein. C'est un peu dur avec les cours et tout, j'ai un peu de mal à trouver du temps libre pour faire des vidéos, c'est pour ça que c'est un peu chaud. Mais bon, j'ai bien avancé mes devoirs aujourd'hui, donc je peux vous faire une vidéo tranquille. Te voilà réveillé. Enfin. Pas complètement. Ton bras est encore engourdi, le temps de finir le tatouage. Nager avec des requins, c'est très courageux, mais se faire bronzer sur une plage de pirates, c'est de la folie. Si tu le veux, tu as le droit de me tuer. Mais moi aussi, j'ai ce droit sur ta vie. Je suis Dennis. Jason. Ça peine, moi je m'aventurerai pas, je me laisserai faire à mon avis. Bangao. Lava lava. Le héron, le requin et l'araignée. Je sais qui tu es, Jason. Tu es un guerrier. Et le tatouage te permettra de révéler ta vraie nature. Je crois pas que lui sait qu'il a été assassiné. Je dois retrouver mon petit frère et quatre de mes amis. Viens avec moi. Vous allez m'aider ? Il n'y a que toi qui puisse t'aider. Moi, je vais te libérer.
Bah, si tu me dis bien, c'est tout ce que je souhaite, on va dire. Je t'ai trouvé sur la plage. Bienvenue au village d'Amanaki. Un endroit magnifique, non? Telamat Tangahari. Je vous présente Jason Brody, l'homme qui a réussi à échapper à Paz. Ton évasion est le signe que le vent a tourné. Notre peuple attendait ce genre de nouvelles. Alors, ça, c'est votre peuple? Cette île n'accueille que les plus forts. J'y ai été appelé. Ses habitants, les Rakyat, m'ont accepté. Je fais partie de la tribu désormais. C'est un peu de la fête dans le village, en fait, j'ai l'impression. Hein. Elles sont charmantes, non? Magnifiques, ça peut dire. J'ai droit à toutes celles que je veux. Mais mon cœur a déjà trouvé preneur. Tiens, de quoi acheter des armes? Tu veux sauver ton frère, n'est-ce pas? J'ai jamais tiré sur personne. T'as le pognon qui me donne, là. Qu'est-ce qu'on dit dans ton pays? Rien n'est impossible aux gens décidés. Alors c'est parti, alors on va donc acheter une arme. Alors qu'est-ce qu'il me propose? KW 1911, ouais moyen. Alors qu'est-ce qu'il me met? Ah mais d'accord, j'ai pas le choix. KW 1911, ok d'accord. Hop, ok. Aucun accessoire disponible pour cette arme. Sans elle, je ne peux pas connaître. Alors suis-moi, mon ami. Bon, j'ai besoin de peinture pour le moment, je vais pas dépenser tout mon pognon directement. Ici. Allez, c'est parti, on va rejoindre l'autre. Elle vient de la chambre. De partout dans l'île. Apprends à la connaître. Cela t'évitera les mauvaises surprises. Vas utilise chacune de ses tours. Donc, lui, ce personnage-là, le noir, comme vous voyez, c'est lui qui va présenter un peu ce qu'il faut faire sur l'île, en fait. Brouilleur. Ce type d'appareil ne sert à rien en ce qui nous concerne. Mais à toi, ils fourniront des informations indispensables. Oui. Et ces brouilleurs sont au sommet. Chaque tour couvre une zone particulière. Sabote-les toutes et tu as accès à la carte au complet. Ouais, donc voilà. Donc, je vais vous expliquer. Parce que je... Enfin, j'ai l'appris... Donc, alors, voilà. Donc, je vais vous expliquer, si vous n'avez pas trop compris ce qu'il a dit dans la cinématique. Là, il y a une tour, vous voyez? Il y a une tour, ici. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, en fait, il faut activer cette tour. Enfin, pour le moment... on va reprendre depuis le début. Pour le moment, l'île... on va voir une mini-carte, d'ailleurs. Et l'île, pour le moment, elle est brouillée par ces tours satellites. C'est-à-dire, quand on va appuyer sur Select avec notre manette, eh ben, on verra rien sur la mini-carte de l'île. Et en fait, en activant ces brouilleurs-là, et eh ben on active une partie de l'île en fait. Donc c'est un peu flou à raconter, mais vous allez voir que c'est en fait c'est super simple, mais c'est dur à raconter en fait. Vous allez voir quand je vais l'activer que c'est super simple. Donc on monte. En fait il faut monter au sommet du la tour et il faut activer donc la tour et la tour en fait elle nous dégage une partie de l'île Sonalminica. Donc vous allez voir c'est super simple. Et c'est là où vous allez voir en haut de... Enfin, je vous laisse la surprise, mais vous allez voir la taille de l'île quand je vais arriver en haut. Quand je vais arriver en haut de la... Comment ça s'appelle? Ah merde, mais je pensais l'avoir tué. Il peut pas mourir ce putain de serpent. Vous allez voir le paysage que y a en haut, c'est vraiment magnifique. Surtout que j'ai mis une bonne qualité d'image, donc normalement ça devrait faire bien. Faites gaffe, parce que c'est assez. Enfin, il faut faire gaffe en montant parce qu'on tombe assez vite. Hein. J'ai pas eu encore l'expérience, mais je pense, j'ai déjà vu sur YouTube parce que je vais pas vous mentir, j'ai déjà regardé des vidéos sur YouTube de Far Cry 3. Hein. Il y avait Jaya, là, Jaya,
je pense que c'est vrai que Guild of Conan qui avait fait la campagne complète sur ce jeu-là. J'avais regardé pour voir à peu près à quel ressemblait le jeu, et franchement, c'est grâce à lui que j'ai voulu m'acheter le jeu, malgré que ça fait un peu 8 mois qu'il a fait des vidéos. Mais bon, après, moi, comme je vous avais dit dans mes vidéos, j'achète pas des jeux trop chers, donc du coup, j'ai attendu que le jeu baisse un peu. Donc ces petites caisses là que je vous prends, vous voyez, ça rapporte de l'argent, et je vous conseille de les prendre parce que l'argent, on aura beaucoup besoin pour acheter des armes, acheter des camouflages si vous voulez que vos armes soient plus stylées, ou alors des munitions, etc. Et tout. Donc voilà l'île que je vous raconte. Donc ça va ici là-bas, vous voyez la montagne et la fumée là-bas au fond, ça va tout là devant, ça suit les montagnes, ensuite vous voyez il y a des mares, il y a de la mer, ça va tout là, ça longe la mer ici. Ensuite ça va là, ça va au fond sur l'espèce de archipel là qu'on voit en face. Ensuite vous voyez, regardez là. Ah voilà, je vais prendre un exemple. Donc ici on a un pilier. Vous voyez, il est pas activé parce qu'il y a la lumière rouge. Et vous voyez en face que là-bas il y a un point rouge aussi qui est illuminé. C'est-à-dire que ce brouillard là n'est pas illuminé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sur l'île encore qu'on a activé. Donc l'île est complètement brouillée. Et donc vous allez voir, donc je vais le faire de suite pour pas perdre de temps. Regardez, hop, donc on va activer le brouilleur. Tac. Et on l'active. Tac. Et vous allez voir, la lumière devient verte. Et là, voilà, il nous montre des paysages en fait. Enfin, des lieux très précis, je pense, à aller voir. Parce qu'il y a des objets à aller ramasser en fait sur l'île. Donc voilà, vous voyez, donc j'ai réussi à. Donc j'ai activé un pilote, et en fait il faut tous les activer sur l'île. Donc tu vois, il faudra aller l'activer. Il y en a je sais pas combien sur l'île, mais il faut tous les activer en fait. Et en activant tous les pilotes, mais en fait on a accès sur la mini-carte de toute l'île en fait. Donc vous allez voir, là il va nous montrer ça, le personnage. Tu vois? Donc voilà, ils disent ouvrez la carte avec Select. D'accord, on va faire ça. Et voilà. Donc vous voyez, que je vous donne pour exemple. Je vais vous expliquer après qui dit ça. Et ils t'offriront des armes chaque fois que tu libéreras une tour. Le vrai guerrier doit chasser. C'est dans l'ordre naturel des choses. Regarde la carte. Choisis ton terrain de chasse. Fais confiance à ton instinct. C'est la société qui t'apprend à perdre, à la nature. Là. Bon, si tu veux sauver tes amis, tu dois connaître la jungle. Les peaux d'animaux et le cuir te permettront de porter plus d'armes et d'équipements. Les plantes peuvent être mixées pour créer de puissants médicaments pour te soigner, affûter tes sens ou t'avantager. Va, reviens me voir quand tu auras maîtrisé la jungle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis censé faire quoi? Pour fermer la carte. Donc voilà, donc vous avez vu, on va voir la carte, donc je vais vous répéter ça et puis après on va arrêter la vidéo pour cet épisode là. Donc voilà, j'ai activé le brouillard. On va dire que c'est avant cette partie là, avant que j'active le brouillard que je viens de faire, c'était comme ça, c'était en noir, on voit pas l'île sur la mini carte. Et en fait, en activant le brouillard, et ben en fait, le brouillard fait apparaître un morceau d'île. Et en fait, il faut activer tous les brouillards pour voir en fait tout l'entièrement l'île. Donc les brouillards, ils sont classés avec ce logo-là. Vous voyez, puis au radio, donc il faut tous les activer. On voit tout l'île sur la mini-carte. Pour le moment, on n'a qu'un morceau d'île. Donc là, l'objectif, c'est de faire ça. Mais ça sera fait. On fera ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était Mr. Kulof et j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, ciao, bye bye.